Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur SimCity. Je suis en chantier. Je m'appelle Teuse. Ce n'est pas de moi, hein, c'est de vous. Et on a déjà fait cette blague un énorme nombre de fois. Mais là on se retrouve pour de l'agriculture biologique. Et parce qu'il y a deux trucs, de l'agriculture biologique et de la déforestation chimique, les deux activités évidemment principales hein, des gens qui travaillent sur un chantier, inspirées ce matin à 8h30 par les gens qui m'ont réveillé violemment, et je dis bien violemment, à coups de perceuse un lundi matin. Je trouve ça honteux. Je trouve personnellement ça honteux de réveiller les gens à coups de perceuse, parce que ce n'est pas moral. Et si ce n'est pas moral, je me venge. Et évidemment, ça va être un autre épisode de violence et d'insultes envers ces gens que je respecte tant parce qu'ils refont des routes, mais que je déteste tant parce qu'ils refont mes tympans. Donc, au programme aujourd'hui, déjà on va s'occuper de déblayer le bordel. Ça, ils le font pas, les chantiers man, hein. Normalement, ils font « Ah, c'est bon, je suis pas payé pour ça, c'est pas mon travail de nettoyer, moi je suis là pour détruire et reconstruire, pas pour nettoyer. » Eh bien, nous, on est des gens sérieux, donc en fait, on nettoie. Bon, alors, on nettoie des maisons, donc au final, on détruit, hein, mais c'est technique, et je vous demanderai d'être respectueux. Alors, il est important d'être RP, et vous le savez, le RP, c'est la vie. Donc il va falloir respecter quelque chose de très important dans mon quartier, vous l'avez remarqué, vous le savez, il y a une quantité hallucinante de camions de pompiers qui se baladent jour et nuit. Donc, boum, un petit camion de pompiers supplémentaire parce que ça fait plus de bruit, parce que bam, parce que c'est important, on a fourni de l'électricité à tous les bâtiments, merci. Qui es-tu? Qui es-tu? Je ne te connais pas. Tu es dans ma ville? Tu es dans ma ville, allez, on va dire que tu es dans ma ville et on va te respecter. Puis on va, parce qu'on respecte, puis on fait autre chose, on va aller attaquer après avoir vérifié les problèmes. Ah, on traite pas toutes les eaux usées, fuck. On va aller, hop là, pas assez de simflouze. Mais tu t'es pris pour qui, toi, à me dire pas assez de simflouze? Tiens, ça, on le ferme. On le détruit même, violemment si possible. Et lui, il peut traiter plus d'eau usée. Il fait juste mal son travail, en fait. C'est pas moi le problème, c'est la map. Hein, quoi? Donc, on regarde tout ce qu'on a là. La police. La police, est-ce qu'elle a à se plaindre? 44 crimes commis par jour. Moi, je dis 44 crimes commis par jour, c'est pas mal. Mais on peut mieux faire. Allez, on va être sage et on va mettre Maxisman. Je ne sais plus où il est, il doit être dans les spécialisations. Non, il est absolument pas dans les spécialisations en fait. Je ne sais plus où il est. Tu es où, Maxisman? Tu me dis où il est, Maxisman? Non, il me dit absolument. Bah si, je suis con, il est juste sous mes yeux. Le manoir de Maxis. Et on pose Maxisman. Maxisman. Et voilà, Maxisman est placé, il va sauver le monde, évidemment, vous vous en doutez. Alors Maxisman, le manoir de Maxis, on s'en est déjà occupé, il suffit de cliquer sur les petites options débloquées, par exemple aller sauver un blessé, puis évidemment Maxisman, ce héros, va aller sauver le blessé, et revenir et recommencer. Sauf que à chaque action de Maxisman, il faut cliquer sur le bouton. Petit à petit, on va débloquer des nouvelles options. Là, on soigne des blessés. Plus tard, on aura d'autres trucs. On aura des hélicos, des machins. D'ailleurs, ça se voit sur le manoir de Maxis. On peut débloquer le garage de la machine turbo. C'est son célèbre véhicule. Hein, et l'aire d'atterrissage du réticulateur. Mais il faut des points. Il faut beaucoup de points. Points qu'on n'a pas. Alors, on va rester pendant tout l'épisode sur cet écran. À cliquer une fois toutes les 8 heures sur un bouton. Non, on va pas faire ça du tout. C'est une idée de merde. On va d'abord se casser. Se casser subtilement. Oh, c'est sympa ce petit truc ici. Qu'est-ce qu'on peut faire comme grands travaux? Je ne sais pas. Ah, je vais vous laisser gérer ça, me dire ce que vous préféreriez comme grands travaux, mais ce sera fait plus tard. Et on file sur Je suis industriel, principalement pour l'argent, mais aussi un petit peu pour récupérer les problèmes de la ville. Par récupérer, je veux dire corriger, évidemment, je dis les mots au hasard, mais vous avez l'habitude. Donc on va un peu corriger tous les petits problèmes de cette ville pendant qu'elle génère de la money, parce que c'est une ville qui n'a pas de problème.
Elle a 12 crimes commis par jour. Ah, c'est beaucoup ça. Mais c'est pas non plus hallucinant. Surtout qu'elle a juste un petit poste de police de merde. Qu'on va améliorer évidemment. Par le saint supra giga esprit. Et on lui met. Voilà, des voitures supplémentaires. Niveau argent, elle a des apports en argent qui me paraissaient énormes, mais qui en fait sont minables. Et alors là, on est en train de se dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est les histoires? On a une demande résidentielle énorme qui n'est pas justifiée. On est en train d'essayer d'identifier les problèmes. Hein. Et nous sommes au seuil d'une nouvelle ère numérique. Réfléchissez, imaginez l'avenir avec l'académie. L'académie, machin, employé, ok, d'accord, on va pas le faire, mais on leur dit oui, ça leur fait plaisir. On aime faire plaisir aux gens, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Criminalité trop élevée, eh ben je viens de détruire ton bâtiment. Toi, on te détruit aussi, et toi t'es en construction, et fermeture pour manque de main d'œuvre. On te détruit, on n'est pas des gens compliqués, et on va faire quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre qui consiste à, voilà, vérifier que c'est un port commercial, ça. Moi c'est la gare que j'aimerais. Est-ce qu'on a une gare? Oui, on a une gare ici. Qui sature le trafic. Pour une raison assez obscure. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui partent de ce train? Ouais. Ouais, a priori, ça se déplace bien. On va simuler dans notre tête. Ouais, on est des gens comme ça. On va simuler dans notre tête qu'on est sur une grosse ville. Une vraiment grosse ville. Et donc, on va se dire, bon, bah, on est sur une grosse ville. On peut se permettre de mettre d'autres trains. Une autre gare de train. À grande vitesse allemand, évidemment. Allemande. Une autre gare de train, ici, pour simplifier les gens qui veulent prendre le train, simplifier leur démarche, évidemment, parce qu'on est des gens bien, genre des gens gentils. Des gentils. Des gens gentils. Voilà, enfin, vous avez compris. Et tchic. Et voilà. Donc, on a fait des reliures un peu discutables, mais ça va le faire. Et si on clique ici... On n'a aucune information, mais ça devrait arriver. Parce que ici, on a quoi? On a 3113 passagers par jour et ils attendent 9 minutes. 9 minutes, c'est environ 3 fois plus longtemps hein, que ce qu'on attend pour métro en France. Mais ils en ont quand même à 5h du matin. Et ça, c'est impressionnant. Il y en avait aussi à 4h. Enfin, ils en ont 24h sur 24. Donc 9 minutes d'attente. Mais si t'en as 24h sur 24, c'est plutôt stylé. Là, on voit le nombre de passagers en train d'attendre et le nombre de passagers par jour. Évidemment, il va falloir plusieurs jours avant que ce soit stabilisé. Mais ça devrait normalement restabiliser un petit peu mieux le trafic et faire en sorte d'avoir plus de gens qui utilisent les trains pour partir, mais aussi pour venir. Ensuite, on va aller installer dans notre ville industrielle le même système de train. Pour devenir riche. Qu'est-ce que tu nous racontes ici? Conseiller en transport. Aidez les Sims de Je suis un dortoir à venir dans votre ville en construisant une gare routière. Eh bien, on va aller sur Je suis un dortoir aussi faire la même chose. Alors, s'ils ont l'air de nous conseiller, c'est que c'est une bonne idée. Je suis en chantier. On lui envoie un cadeau. Alors, on n'a pas énormément, donc on va lui envoyer 50 000. Ah, moi, j'ai peu d'amis qui m'envoient 50 000 comme ça sur un malentendu. Donc, j'aimerais bien que ça m'arrive plus souvent, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est... un petit peu le rêve quoi. D'ailleurs si vous voulez évidemment me faire des dons hein, n'hésitez pas à ne pas le faire. Merci, bonne journée, au revoir. Allez, bisous. Allez, allez, charge la map, merci. On est à moins 14 000 de l'heure. Mais moins 14 000 de l'heure, c'est stylé. C'est stylé, dans notre ville dortoir ça passe. Et on doit regarder où arrive le train. Où arrive le train? Il doit arriver en haut. Les gars, je veux pas... Ah bah non, mais il est ici. Il est complètement ici. Donc, ils ont déjà un système pour se casser. Et ils en veulent un deuxième. C'est-à-dire que les mecs non satisfaits se disent « Oh, on va mettre une deuxième gare routière, ce sera plus efficace. Donc je suis un dortoir pour qu'ils viennent. » Mais ça n'a aucun sens, vous le savez. C'est bizarre. Ah, where will wacht, germint auf wild. Je ne parle pas allemand, donc j'ai dû très très mal le lire, surtout Wild à la fin, alors qu'il n'y a même pas de T. C'est un petit peu douteux. Ils veulent la porte de Brandenburg. Écoutez, on va le faire. On va le faire parce qu'on a créé une maison. Avec la tour des Montclac et Konglomolokolp. Eh bien, si on crée une maison, il faut des portes. Hein. Ça me paraît plutôt logique, donc on va leur donner ce qu'ils veulent. C'est de la culture, c'est de la grille, c'est de l'agriculture. Alors évidemment, on ne sait pas à quoi ça ressemble.
Non, ça c'est l'Arc de Triomphe, on est con, mais pas à ce point. Donc on est obligé de chercher à quoi ressemble cette porte. Non, c'est pas ça. Et on se dit, c'est peut-être ça. Non, c'est peut-être ce truc. Ah non. Y a rien qui ressemble à une porte. On va devoir tous se les faire à la main. Donc ça, on avait dit non. Ça, ça se voit que c'est pas ça. L'opéra de Sydney. L'hôtel de ville de Stockholm. Bon, la statue de la liberté, ça va, j'ai reconnu quand même. L'opéra d'Oslo, déjà vu. La tour de Pise, déjà vu. Le Cloner Dome. Ah, ça c'est allemand. Mais ce n'est pas celui qu'on veut. Ce n'est pas celui qu'on veut, hein, oui. Le théâtre du globe, je ne sais pas ce que c'est. Giralda, je ne sais pas ce que c'est parce que je suis nul. L'Empire State Building, oui, bon, New York, on est quand même pas con. L'édifice Copenhague, je sais ce que c'est au Brésil, je suis con, mais pas à ce point. Le moulin hollandais, c'est Roland, je suis pas con. Voilà. La porte de Brandebourg, c'est ce qu'on cherche et elle coûte excessivement cher, cette colasse. On n'est pas censé avoir de l'argent qui apparaît sur ce compte-là. Ouais, normalement, il y a de l'argent qui apparaît, je m'en rappelle. L'ombre d'une crise budgétaire plane. Désactiver des services. Wow, je désactive rien. On va augmenter les impôts. On passe les impôts à 10%. Parce que comme ça, on sera moins pauvres. C'est comme ça que ça marche, la vie. Et ceux-là, on les passe tous à 10, allez vous faire foutre. On n'est pas là pour s'amuser, nous. Dans une ville dortoir, c'est PRP, mais on s'en tape. On est des putains de bandits. Hop, on a un peu du mal avec les chiffres aujourd'hui, mais ça se passe bien. Et on la descend à 8% pour les pauvres, et allez, à 9% pour les moyens, voilà. Donc en fait, je mens, hein. je fais des trucs un peu différents de ce que je raconte, mais c'est pas grave, on aime bien. Et la ville est en galère financière, donc on ne va pas mettre cette porte de Brandenburg, et on va aller chercher de l'argent ailleurs, parce qu'on a quand même besoin d'argent, n'oublions pas ça. Je suis la base, va nous filer des pesos, parce que là, la quête là, qu'on était en train de faire, nous on faisait juste Comme Madame Chirac, hein. On est en quête de pièces rouges, tu vois, ou jaunes, selon les traditions, hein. Moi, personnellement, je ne suis pas daltonien, mais après, vous pouvez être daltonien si vous voulez. Et... Ah, il est trop cool, ce pont. Ce truc à trois branches, là, trop stylé. Enfin, bref. Mais donc, on avait besoin de richesses, et cette ville-là a des richesses, donc, boum. Salut, je suis en chantier. Je vais... Ah, il n'y a pas de connexion. Ils ont pas internet. Bon, on peut pas faire ce que je voulais. Même si je trouvais que c'était un très bon plan. Mais on peut faire ça. Parce que là, il y a des connexions. Et là, on se dit, waouh, ce jeu est bien fait. On peut envoyer comme ça sur un malentendu. Boum, j'envoie 400 000. Ah, je suis industriel. Alors là, je suis industriel. Oh, je suis riche. Mais non. Parce que la subtilité est différente. Parce que je suis industriel va renvoyer instantanément cet argent à je suis en chantier. Je suis un chantier, je ne connais pas le nom de ma propre ville. Donc, cela va tourner en rond et nous allons dominer le monde. Il faudrait d'ailleurs lui faire des voisins à lui, parce qu'il se sent peut-être un petit peu seul. Bon bref, on est parti à côté en mode, ce terrain-là me plaît plus. Mais, des fois, il y a des besoins, des vrais besoins, donc il faudrait pouvoir les satisfaire. Les satisfaire. Et s'il te plaît, deviens riche, ville. S'il te plaît, deviens riche. S'il te plaît, sur un malentendu, deviens riche, des voleurs traversent la frontière de je suis en chantier. Ah bah c'est pas grave, si ils quittent je suis en chantier pour venir ici, je serais moins riche ici. Ce qui est plutôt cool. On va envoyer de l'argent petit à petit à côté, ou on va tout lui envoyer. Genre salement. Genre, ah au fait, t'es riche maintenant. Et on va se satisfaire de ce peu d'argent qu'on a récupéré, parce que l'argent met longtemps à venir a priori. Donc on ne peut pas faire ça. Allez, envoie l'argent vite, s'il te plaît, donne-moi des pesos. Y a pas un moyen de voir notre argent arriver, faire un truc, je sais pas, c'est la crise, mais pas pour tout le monde, quoi. Bon, on va faire comme si c'était la crise pour tout le monde, et on retourne dans Je suis un chantier pour continuer notre travail. Oui, j'ai galéré, j'ai dit nos travaux, mais je voulais dire notre travail. Oui, ça a donné nos travaux, et c'était bizarre, mais ne me jugez pas, bordel, ne me jugez pas. On est au manoir de Maxis, et il est encore en patrouille parce que c'est un branlos. Et donc on va commencer à s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait ici. Parce que c'est la prochaine zone, j'ai envie de dire. Donc pour commencer, on va chercher de l'inspiration. Pour chercher de l'inspiration, on fait quelque chose de très très simple. C'est-à-dire qu'on se lève, qu'on ouvre sa fenêtre, et on regarde. Alors là, qu'est-ce qu'on constate? On constate des formes non régulières. Des truc archaïque, donc on va créer de l'archaïque. On va même essayer de recréer la même structure que nous avons à notre fenêtre
qui consisterait à partir d'une très bonne base. Je vous l'assure, ils sont partis d'une très très bonne base, ces gens-là. Ils sont arrivés, ils ont fait, bon, bah nous, hop là, on se met hop là, ici, tac, on fait ça. Attends, je trouve ça un petit peu trop grand, enfin un petit peu trop proche de l'autre truc, donc voilà, je l'écarte. Ils ont fait ça, ils se sont dit, oh, c'est sympa ça, on va l'arrêter ici. Puis, il y a eu un élan de folie, donc ils ont continué un petit peu. Puis ils sont remontés en mode, oh, ça peut être sympa de remonter. Puis ils se sont dit, hé les gars, on n'est pas droit, c'est pas sérieux. Donc, on va faire en sorte qu'ils soient vraiment droits là par contre pour le coup. Voilà, ils ont rendu le truc droit, ce qui est plutôt stylé. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Parce que sinon c'est pas drôle, si vraiment on fait que ça, c'est pas marrant. Ils se sont dit, venez les gars, on a des barrières, on va mettre une ouverture comme ça. Donc ils ont mis une ouverture comme ça. Ouverture qui a fait évidemment une fermeture ici. Alors là, nous, bon, pas bête la bête, on s'est dit, ok, eux ils ont fait ça avec des barrières, nous on fait ça avec des routes, on veut que les routes soient reliées. On relie subtilement la chose, mais ça c'est une petite touche perso, hein, évidemment. Ils n'ont pas, eux, fait ça initialement, pas pour l'instant en tout cas. On va faire ça avec talent, c'est-à-dire que voilà, la route qui relie... Non mais oh. Hop là, la route qui relie va être comme ceci. Non c'est moche, voilà, nickel. La route qui relie est comme cela. Et là, on a une bonne base. On a une très très bonne base. Cependant, c'est un chantier. C'est un chantier. Ah, des petits casques avec des chantiers. Bon, ok, c'est des pompiers, mais quand même. On va mettre du bureau progressif ici. Alors là, vous dites, mais qu'est-ce que tu fous une assurance ici? Bah, on va dire que c'est leur cave. Hein, l'endroit où ils enferment des enfants. Enfin, vous voyez, une cave, quoi, normal. Et la suite. Ah, la suite. La suite, c'est important. Il va falloir relier ce secteur, ce nouveau secteur. Industriel dans lequel attention, ça c'est la partie triste, hein, évidemment, de l'épisode. Habite ici un petit SDF qui a un bras et qui est très gentil, à qui j'ai déjà donné de l'argent, hein. Je ne me moque pas de lui, je respecte évidemment le pauvre, je n'aimerais pas être à sa place. Eh bien, on ne l'oublie pas, et on pense à tous ces SDF qui vivent dehors alors qu'il fait 2 degrés à Paris. Quel monde bien triste. Et ben ces gens-là, il va falloir les relier. Parce que oui, les camions chantiers qui vont installer les terrains, eux, oh, c'est des ouf, ils passent sur le terre-plein et sur la terre plein. Mais les gens normaux ne font pas ça. Alors dans la vraie vie, ici, il y a une route. Ici, il y a une route. On pourrait la faire, mais on ne va pas la faire. Cependant, on va faire ici... Alors c'est quoi ce bâtiment placé? C'est le logement du maire. Ah mais le maire il me fait chier là. On va faire ça comme ça. Et on va faire ça. Attendez, on réfléchit. À bien le faire. Comme ceci. Voilà. Et ici, un arrondi. Et là... On ne ruine pas la cohérence de ce design là en laissant l'arrondi. Par contre on va devoir le mettre de l'autre côté parce que sinon ça ruine un petit peu le truc. Mais... enfin ça va ruiner l'autre. Mais c'est plus harmonieux que de ne pas le faire je pense. Donc on va le laisser en arrondi. Et voilà, on a cette route un peu dégueulasse qui m'a été créée par mes voisins, hein, mes voisins de chantier. Ces gens géniaux qui font chier évidemment le monde. Et que je salue pour le réveil qu'ils m'ont offert aujourd'hui à 8h30, les amis. On se laisse et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Unster Bleacher. Oh yeah. Allez, bye bye.